Bon, voilà, et je suis fan de l'émission Focus Hydrocarbures, parce qu'il faut dire que même si je suis dans les domaines des énergies renouvelables, mais les énergies fossiles, ça, ce sont des énergies mères, comme on dit. Vraiment. Bon, voilà, et je suis fan de l'émission Focus Hydrocarbures, parce qu'il faut dire que même si je suis dans les domaines des énergies renouvelables, mais les énergies fossiles, ça, ce sont des énergies mères qu'on n'oublie jamais. J'ai salué également la bravoure de l'ingénieur Pepito, qui est très actif. Je crois que le Congo a besoin de jeunes dynamiques, des jeunes forts et des jeunes qui ont un cerveau très ouvert et puis créatif. Le Congo de demain, c'est pour ces gens de jeunes. Merci. Mais bonne chance à l'émission. Je veux que cette émission continue et que cette émission ici, je l'avais dit en venant, je pensais, s'il y a eu des accidents en aval, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est peut-être parce que vous n'avez pas eu le temps de communiquer. vulgariser, de communiquer avec nos frères et sœurs qui vont surtout sur la route de Lufu, dans le Bas-Congo, chercher Le le pétrole, le carburant. carburant. Mais si vous commencez à faire ces genres d'éducation de masse, moi je pense que les gens vont comprendre et puis nous aurons moins de décès dans nos familles dus à la mauvaise manipulation surtout de produits pétroliers. Vraiment. Si quoi faut fondre la batterie sur que hydrocarbures bah va bien mais en tout cas je vois on a compris. Alors je me suis référé à théâtre Mokala, au docteur à pétro ce qui n'est pas mauvais. Pétrologie. Non mais des trucs comme ça. Alors Nazol Baka, en tout cas si ça peut aider les gens à comprendre le pétrole, ça sera très bien. Focus, hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz.